Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyansripan. N'oubliez pas de tous abonner si vous êtes nouveau, que vous voulez vraiment vous abonner et nous soutenir. Abonnez-vous et cliquez sur j'aime. Mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir dans cette vidéo va même vous étonner. Nous sommes véritablement dans un monde satanique. Depuis hier, nous observons un clip. Et dans ce clip, on voit clairement des gens représenter des signes qui sont censés être des signes qui appartiennent aux personnes sorcières ou aux satanistes. C'est en ce moment que je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi retrouvons-nous toutes ces choses à la télévision et tout ça? Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, nous avons eu un témoignage puissant. Et de ce témoignage puissant qui apparaîtra soit ici ou là à la fin de cette vidéo, nous avons découvert que il y a vraiment quelque chose qui se passe. On a découvert, mes frères et sœurs, que dans certaines grandes industries, avant de faire sortir les produits, avant de commercialiser les produits, ces gens-là, ils vont consacrer leurs œuvres à Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu as fait sortir un film, tu vas aller là-bas, ils ont leur industrie là-bas, ils se connaissent. Et là-bas, il y a un hôtel qui est bâti où il y a plein de symboles occultes. Et quand vous venez et que vous positionnez votre œuf sur l'hôtel comme cette fleur qui est là sur la table, ce qui se passe après, c'est que les démons entrent dans votre attique pour posséder les gens. Et c'est là maintenant, les gens vont remarquer que même dans les clips musicaux, il y a les symboles occultes. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les symboles occultes? Suivez-nous. Aujourd'hui, on va apprendre des vraies choses ici, si on se bonne. Suivez-nous. Comme on vous l'a dit, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la télé. Et nous allons maintenant au studio où nous allons voir ce que nous devons voir. Nous allons apprendre ce que nous devons apprendre, mes frères et sœurs. On ne doit plus être ignorant. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que nous allons vous montrer maintenant? Regardez l'écran. Une de toi. Waouh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une image qui a l'air simple. Mais cette image renferme plein de symboles cachés, symboles secrets que toutes connaissent et toutes pas, que certains connaissent et toutes pas. Et ces symboles sont ici. Et dites-moi, est-ce un clin d'œil que cet homme est-il en train de faire à Nyansribon? Ou il y a quelque chose d'autre qui est caché? Mes frères et sœurs, regardez ça. Regardez juste là dans la main. Quoi? Mes frères et sœurs, ce que c'est, c'est ça. Ce signe représenté avec la main juste là, comme ça, juste en bas, que vous voyez même là, c'est une signification de le monde des sorciers et des satanistes. Vous allez voir ça tout de suite. Et l'œil qui est fermé ici a aussi une signification. Cet œil est censé signifier l'œil d'Osiris ou encore l'œil du diable. Quelqu'un va dire c'est le contrôle mental. Ce qui est sûr, c'est que c'est Satan qui est derrière tout ça. Et c'est un truc qui vient de la magie égyptienne. Vous comprenez? C'est de la sorcellerie. Regardez ça encore. Quand on regarde tout ça, les gens pensent que c'est de la blague. Mais pourquoi tient-il une sucrerie dans la main? C'est sans doute la question que vous vous poserez. Pourquoi tient-il un produit juste là dans la main? S'il tient un produit dans la main et qu'il a représenté tous ces signes même que nous venons de voir juste là même en bas, comme ça, c'est que ce produit qu'il a dans la main a été consacré à Lucifer, le diable. C'est comme ça se passe. Ça veut dire que si toi tu regardes un clip où tu vois tous ces symboles occultes, c'est que ce clip a été consacré à Satan directement.
n'y a pas 36 solutions, mon frère. Il n'y a pas 36 solutions. C'est réel. Ne manque pas de regarder ce témoin puissant qui va apparaître ici ou là à la fin, c'est tout. Tu vas apprendre plus. Et sans doute, tu vas te poser la question de toi-même. Que signifie clairement ce signe, ce symbole? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mes frères et sœurs, faites des recherches. Faites vraiment beaucoup de recherches et vous allez découvrir ce que vous devez découvrir. Voici la signification de ce signe. Avec plus de précision, nous allons vous montrer tout ce que nous préparons les éléments. Ok, comme vous voyez à l'écran, nous préparons les éléments. Nous allons vous montrer la signification de ce signe. Ah! Là, mais vous serez même plus surpris que surpris. Même plus surpris que surpris. Soyez pour mes frères et sœurs, ça va être extraordinaire. Regardez ça. J'espère que vous voyez comme il se doit. Ici, on nous dit que ce signe qui est juste là en haut ici, que nous venons sans doute, nous venons de voir là, voici sa signification. Qu'est-ce que ça signifie, mes frères et sœurs? Lisez. Lisez, s'il vous plaît. Lisez, dites-moi. Dites-moi, mes frères et sœurs. Est-ce que ça signifie j'ai de l'argent? Ou bien ça signifie amour ou bien love? Lisez. Lisez, dites-moi. Si vous ne voulez pas lire, on va le lire pour vous. Si vous ne savez pas lire, on va lire ça pour vous. Écoutez, ce premier signe envoie bien le pouce, ça, quand on me dit j'aime là, c'est placé carrément sous les doigts, comme ça. Tenez compte de ça, c'est une signification. Dans le deuxième cas, on voit le pouce qui est là, qui était en bas, qui est maintenant en haut, il est en haut comme ça. Et regardez le troisième. Mais concentrons-nous sur les deux premiers signes. Quelle que soit l'orientation de ces deux signes, c'est une signification qui va vraiment vous étonner. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ça. Il symbolise le dieu connu de la sorcellerie. Pan ou Cernunnos. Notez que le pouce est sous les doigts et il se donne de la main droite. Une seule expression ici nous aide à comprendre ça. C'est l'expression la sorcellerie. Un petit peu loin. Ici encore, on nous dit la main connue, Baphomet ici, le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent le culte et le satanisme parmi ceux qui pratiquent le culte et le satanisme. Enfin, l'occultisme et le satanisme. Lorsque pointé ou dirigé vers quelqu'un, il veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne. Remarquez que le pouce est par-dessus les deux doigts et qui se donne de la main droite, de la main gauche. Est-ce que vous voyez? Mes frères et sœurs, bon, lisons le troisième, vous allez voir. Ici, c'est un signe qui est très utilisé dans le domaine du sport. Ça ne nous intéresse pas pour cette vidéo, mais lisons quand même. On dit signe signifiant sorcière ou celui de la lune croissant, ou celui de la lune. On voit croissant. Peut aussi symboliser la Vierge noire ou Isis. C'est-à-dire utilisé lors des cérémonies de la lune ascendante. Ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer l'emploient également. Curieux, non? On vous pose la question. Curieux, non? Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? J'espère que c'est pas flou chez vous. Est-ce que vous y voyez? Mes frères et sœurs, vous allez être surpris. Nous venons de retrouver ce signe-là.
dans un clip là, comme ça. Et ce clip là, vraiment, ça m'étonne. Pour éviter les histoires des droits d'auteur, toute cette histoire, nous allons juste vous expliquer ce qui se passe dans le clip. Là, le clip est juste là, derrière ce truc noir. Ça va commencer, regardez. Voilà. Regardez déjà comment les gens s'habillent. Dès que vous voyez des trucs pareils, sachez que la sirène est là et il y a un démon. Déjà à ce niveau-là, le premier péché est déjà là. Est-ce que vous comprenez? Nous allons vous dire ce qui se passe. Les images que nous pouvons vous montrer, nous allons vous les montrer. Mais faites vraiment très attention à ce que vous allez voir. Parce qu'il y a des symboles sataniques. C'est la sorcellerie, il y a le satanisme ici. Faites attention. Ici, on voit trois filles qui cherchent à entrer dans un endroit. Mais elles seront bloquées par des gardiens. Et quelques temps plus tard, on voit un produit, une boisson que les gens peuvent boire. Une boisson que vous connaissez. Et un homme qui est couché carrément sur un banc. Et les filles vont entrer et vont trouver cet homme qui est juste couché là, comme ça. Et il a la main sur la boisson. Vous allez voir. Du coup, ces filles-là, elles sont juste là arrêtées. Et elles se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont le regard fixé vers la boisson quand ce dernier va se lever et il va faire un truc qui va vraiment vous étonner. Ça. Le lien entre cette boisson et ce signe? Quel est le lien? C'est la vraie question que tu dois te poser. Tout ce qui se passe autour là, ça ne doit pas t'intéresser. Mais quel est le lien entre cette boisson et ce signe? Et quel est le message que on veut te communiquer? Ce que les gens veulent te dire, c'est qu'il y a un lien vraiment entre cette boisson et ce signe. Ce signe, tu sais ce que ça signifie? Tu sais que ce n'est pas la rose, ce n'est pas blanc. C'est un type de sorcellerie, de satanisme. Et quel est ce lien-là? Le lien entre ce signe et la boisson est que ce produit a été consacré à Lucifer, le diable. Et c'est réel. Vous allez dire, mais que c'est de la blague. Moi-même, j'ai étudié, j'ai été surpris. Mais le témoin puissant président m'a permis de plus comprendre ce clip-là. Depuis hier, nous l'avons, mais aujourd'hui, quand nous avons découvert ce témoignage puissant, nous avons compris que Dieu vraiment nous veut vraiment nous instruire sur des choses. Et quand on va plus loin, quand il finit de faire ses signes, il va faire un truc qui va vraiment vous étonner. Il va tout simplement, regardez, il va tout simplement prendre cette boisson-là dans la main et il va jeter à la fille qui va elle aussi tenir la boisson. Revenons juste un peu en arrière. Il va prendre la boisson. Et il va jeter ce poisson à la fille qui va tenir ce poisson dans la main. Est-ce que vous voyez? Cette fille va tenir ce poisson. Pourquoi il a fait d'abord ceci? Après, il jette la boisson. Ça veut dire que c'est une consécration. C'est comme si la boisson là avait été consacrée à Lucifer, le diable, avant d'être vendue à la population, avant d'être donnée à la population. Et ça veut dire que tous ceux qui vont toucher à ces boissons, ça peut vous étonner, ça peut être même étrange, ça peut vous dire que c'est mystique, c'est pas possible. Mais en fait, tous ceux qui vont toucher à ça seront tous être en contact avec les démons. Vous allez entrer en contact avec les démons juste par la boisson. Et ce qui est étrange ici, c'est que quand cette fille va recevoir cette boisson, ils vont mettre maintenant la musique en fond. Là, la musique, les gens vont commencer à jouer de la musique. Regardez là. Les gens vont commencer à jouer de la musique. Vous voyez? Voilà. Et le show va maintenant commencer. Et quelque chose de très va se produire chez la fille. Regardez-la bien. C'est alors que elle aussi. Vous allez voir. Voilà, le même signe est répété. Elle va s'avancer. Les choses vont commencer à se produire. Les gens vont commencer à s'amuser. Les jeunes vont commencer à s'amuser. Ils vont commencer à faire des choses. Et regardez bien la fille. À un moment donné, vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vais pas vous montrer toutes les images, mais ce qu'il vous faut
Soyez prêts et vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Regardez ça. Les gens se mettent tout simplement à danser. Vous ne pouvez pas voir, mais vous allez voir tout de suite. Les gens se mettent à danser. On va montrer des extraits. Voici à ce niveau. Voilà. Et c'est réel. Là, se mettre à danser et tout à coup voilà, c'est presque prêt, vous allez voir. Et tout à coup, regardez bien cette partie. Et tout à coup, pendant que les gens sont en train de danser, tout à coup la fille qui a reçu cette boisson, elle va faire ça, elle va faire ça, tout en représentant quoi, la même marque, comme ça. On dit que cette marque là, ce signe là, est utilisé pour faire quoi? Pour lancer des sorts sur les gens. C'est comme si on va dire que ici elle a reçu la malédiction ou encore elle a reçu ce sort là. Et elle est en train de boire cette potion magique là. Pour qu'elle aussi elle puisse être initiée. Elle puisse être initiée ou bien recevoir la sorcellerie. Et ça se passe où? Dans un clip. C'est pourquoi on nous dit que les clips ne sont pas des simples clips. C'est vrai, vous voyez ça comme des clips, mais ce sont des choses qui sont remplies de messages cachés, qu'on appelle les messages subliminaux. Mais frère, ça nous allons vous dire, ça m'étonne. Quand j'ai vu ça, j'ai dit franchement, il faut que nous revenions et que nous vous montrons des choses que vous devez vous savoir. Et regardez comme ces amis là regardent, juste là comme si c'est un truc normal. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire? Mes frères et sœurs, ça m'étonne. Ça m'étonne. Et ça continue. Hein? Elle l'a fini. Elle regarde dans sa direction. Elle a bien bu. Et la fête peut maintenant commencer. Et les mêmes signes sont exécutés. Et les gens se mettent à danser. Comme si de rien n'était. Et de cette danse, on ne sait pas ce que ça signifie. Mais au fur et à mesure qu'ils dansent de la sorte, ce qui se passe, c'est que les mêmes signes sont exécutés. Regardez là. Les mêmes signes sont exécutés à chaque fois. Est-ce que vous voyez? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mes frères et sœurs, c'est pas tout. Regardez même jusqu'ici. Tout le monde exécute ces signes. Tout le monde. Tout le monde. Regardez encore ici. Tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont au chaud. Tous exécutent ces signes. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous a dit quoi dans la parole de Dieu? On nous dit que le temps viendra où les gens seront marqués par un signe. Et c'est le signe 666. Et celui qui n'aura pas le signe 666 ne pourra ni acheter ni vendre. C'est comme si le diable était en train d'annoncer cela aux gens rien qu'au travers d'un simple clip. Et ça devient réel. Et ça devient plus réel que réel. Et tout ce monde que vous voyez juste derrière là, est-ce que vous voyez? On va zoomer juste un peu. Voilà, tout focus. Voilà, tout ce que vous, le monde que vous voyez derrière là, on peut dire qu'ils ont tous reçu la même marque parce que tous représentent les mêmes signes avec leur doigt. C'est-à-dire que tous ceux qui vont aimer cette histoire, qui ne vont même pas comprendre, qui vont se jeter dans la sauce, automatiquement vont tous recevoir la même marque, le même signe. Vous allez penser que c'est un show simple, on est venu juste là pour s'amuser. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. Il y a des signes secrets. Et ce sont les signes secrets du diable que nous sommes en train de vous révéler ici. Et il y a plein de signes qui sont là. Il y a plein, tellement. Il y en a tellement. Faites vraiment attention. Si vous voyez, comme vous allez voir quelque part, ils vont vous dire que non, c'est juste un truc simple. Et qu'il n'y a pas de problème. Vous ne croirez même pas que derrière ça, il y a le diable. Dieu merci, nous avons montré exactement ce que ça signifie avant que on arrive jusqu'à là. Et les gens vont se reconnaître même au travers de ces signes. Même pour se saluer. Puisque c'est un signe de reconnaissance en eux. Même pour se saluer, ils vont se saluer avec les mêmes signes. Regardez ici. Quand ils représentent ces signes, c'est que c'est pour se saluer. Regardez là. Par exemple, elle est venue juste là pour saluer le gars. Le gardien. Pour le saluer. Parce que là, elle vient de recevoir la marque. Elle avait eu des problèmes déjà avec lui à l'entrée parce qu'elle n'était pas marquée. Ou encore, elle n'avait pas ce signe-là sur elle. Maintenant qu'elle a bien reçu le signe, elle peut bien le saluer. Mais elle va le saluer encore d'une autre façon pour montrer qu'elle appartient à un groupe. Les satanistes se reconnaissent en eux et ils ont même une manière de se saluer. Et regardez comment les satanistes se saluent aujourd'hui. Voilà!
voici comment les satanistes saluent. Comme ça. Et ça, ce sont les cornes du diable. Et les cornes d'un démon qui est beaucoup adoré. Surtout dans l'industrie de la musique aujourd'hui. Même du divertissement. Même du film. Regardez comment les gens vont se saluer. Toujours les mêmes salutations. Avec le doigt. Avec le doigt. Regardez bien ça. Regardez. Vous pouvez vous dire que c'est un hasard ou bien c'est de la blague. Mais les images sont là devant vous. Et ça, c'est juste pour vous prévenir que vous, si vous êtes un chrétien, que vous répétez ceci, vous serez en train d'élever Dieu d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Parce que vous répétez tout que vous ne comprenez pas. Moi, avant, je ne savais rien de tout ça. Qui ne représentait pas tous ces signes? Nous tous, on représentait tous ces signes et on dansait même parce que c'était de la blague, c'était un jeu, c'était juste pour s'amuser, juste pour la joie, juste pour le show, juste pour le fun. Mais voici où ça doit aller. Nous sommes en train d'adorer le diable inconsciemment. Inconsciemment. Oui. Et ces choses sont réelles. Ce sont des trucs, ce sont des clips nouveaux. Quelque chose qui vient d'arriver. Nous sommes sur une bonne chaîne. On vous a dit que si vous vous abonnez, vous allez découvrir des choses extraordinaires qui vont venir. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le diable est en train de marquer la jeunesse. Même l'humanité par ses signes. Et ces signes annoncent déjà son retour. Regardez comment ils vous regardent tous. Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? C'est la question qu'ils se posent. Mais qui sera le prochain à recevoir la même marque? Mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé. Ne soyez plus ignorants. Cherchez de vous-même. Que le Seigneur Dieu lui-même vous aide à trouver ce que vous devez trouver comme information qui vont vraiment vous aider à bien marcher dans la vie. Si nous vous avons montré toutes ces choses pour vous montrer qu'effectivement le diable existe, il est réel, il fait des choses, il travaille sérieusement. Le diable travaille 24 heures sur 24 et il travaille dans l'ignorance des gens. Si toi tu vois tous ces signes aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te méfier, sortir de là. Tu ne dois pas apprécier de telles choses. Tu vas acheter un produit sur le marché, fais attention. Il y a des produits qui sont même consacrés à Lucifer, consacrés au diable. Et il y a la pornographie. La pornographie qui est là. Une œuvre qu'on appelle la pornographie que tu aimes regarder. C'est aussi une œuvre qui a été consacrée à Satan. Donnée au diable carrément. Nous allons vous dire, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Avec tout ce que vous venez de voir là, on n'est plus à la discussion. Je pense que vous devez chercher de vous-même. Dieu merci, et à certains collègues qui ont travaillé ce sujet-là et qui nous ont expliqué en long et en large. Moi, c'est juste une chose que je veux découvrir. J'ai découvert ce clip depuis hier. Mais pourquoi bien faire ce clip? Dieu n'a pas permis qu'on travaille cette vidéo hier déjà. Et il a permis qu'on travaille cette vidéo juste aujourd'hui, après le témoignage puissant que nous avons regardé ensemble. Si vous n'avez pas regardé ce témoignage puissant, partage soit ici ou là. C'était le témoignage d'une sœur qui a visité l'enfer et qui a vu tout ce que nous sommes en train même de vous révéler ici. Comment les dessins animés sont consacrés à Lucifer, afin que tous ceux qui vont les regarder seront tout simplement en train de recevoir des démons. Quand tu regardes la télévision, à mettre un démon sort, il se positionne dans ton subconscient. Ça, c'est un signe qui a été positionné, de ton subconscient. Et toi, à première vue, quand tu vas voir ça, tu vas penser que c'est juste pour la blague. Mais ce signe va te pénétrer, va entrer en toi. Et à un moment donné, sans le savoir, tu vas représenter aussi le même signe. Là, maintenant, ce sera prêt, ce sera fini pour toi. Vous voyez, ce sont des choses qui se produisent la plupart du temps. Que Dieu nous aide à être fort. Et à ne pas tomber dans de tels pièges. Ce n'est pas le dernier clip. Ce n'est pas encore le dernier, ce n'est pas encore fini. Il y a un autre clip qui va suivre. Ce clip même est déjà là. Est-ce que vous voulez le voir? Abonnez-vous, ne manquez pas la prochaine vidéo. Si vous avez été touché, cliquez sur j'aime. Si vous avez appris quelque chose, cliquez sur j'aime. Tout simplement. Un seul j'aime suffit. Et si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous sur nos deux chaînes. En cliquant sur Yansoubon, vous aurez accès à notre page d'accueil. Vous allez voir Yansoubon 2, Yansoubon 3. Là-bas aussi, c'est toutes des choses extraordinaires. Regardez nos dernières vidéos populaires. Sur les deux autres chaînes, Yansoubon 2 et Yansoubon 3. Là-bas même, vous allez voir même des célébrités ouvrir la bouche pour se confesser, dire réellement ce qui est derrière tout ça. Une célébrité qui n'a pas manqué de dire
Et si elle représente tout ceci, c'est parce qu'elle est une adoratrice du diable. Veux-tu suivre quelqu'un qui adore le diable et aller en enfer, ou suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et aller au paradis? Fais ton choix.